Fred, cela m'ennuie. Oh, Evelyne, vous n'allez pas recommencer? Mais tout de même, allez passer un week-end chez des gens que je ne connais pas. Mais puisque je les connais, c'est le principal. Enfin, de toute façon, vous êtes invités. Parce que vous le leur avez demandé. Et vous n'avez pas à vous inquiéter, nous serons toute une bande. Les Lordos sont des gens qui aiment recevoir. Oui, mais... Nous sommes devant la porte, vous ne pouvez plus faire demi-tour. À moins que vous ne vouliez pas me faire plaisir. Oh, Fred, comment pouvez-vous dire cela? Eh bien, entrons. Voici Evelyne Claudet, Madame Lordo, notre hôtesse. Bonjour, madame. Je suis confuse. De quoi, mon Dieu? Ici, nous sommes à la campagne, il n'est pas question de protocole. Et voici mon frère, Christian Dulon. Monsieur. Bonjour. Fred, mon mari veut vous voir. Allez dans son bureau et pressez-vous, il n'est pas d'humeur à attendre aujourd'hui. Non, merci, j'y vais. Vous avez apporté des disques? Oui. Oui, j'ai pensé que... Mais c'est vrai que vous êtes bien placée, vous travaillez chez un disquaire, n'est-ce pas? C'est ça. Comme vendeuse? Exactement. C'est un métier merveilleux, il doit permettre de faire beaucoup de connaissances. C'est là, du reste, que vous avez connu Fred. Je me trompe? Ah non, pas du tout. Le hasard fait bien les choses. Fred est vraiment extraordinaire. Que voulez-vous dire? Oh, mais rien. Je pense que Fred vous a souvent parlé de nous. Oh oui! Il trouve que c'est tellement agréable de travailler chez des amis comme vous. En tout cas, pour mon mari, il est l'employé idéal. Je t'entendais, lui qui se considère comme le bras droit. Il est vrai qu'avec tous les services qu'il rend à mon mari... Tais-toi, les voilà qui arrivent. Ma chère Evelyne, vous permettez que je vous appelle Evelyne. Vous êtes si charmante. Ah, mademoiselle Claudet. Vous êtes la bienvenue. Bonjour, monsieur, je vous remercie. Fred, vous montrerez sa chambre, mademoiselle Claudet. Oui. Laquelle a-t-on réservée? Mais la plus belle, comme tu l'avais demandé, mon chéri. Bien. Ensuite, Fred et Christian, vous pourrez faire visiter le parc à notre invité. Revenez pas trop tard. On vous attendra pour l'apéritif. Très bien, monsieur. Vous venez? Oui. Fred, maintenant que nous sommes seuls, dites-moi, que se passe-t-il? Rien, pourquoi? Madame Lordo et son frère ont une telle attitude à mon égard. N'y prêtez pas attention. Et puis, vous m'aviez bien dit que nous serions toute une bande. Mais vous ne les avez pas tous vus. Au dîner, il y aura Gisèle, qui est une cousine. Et? Je ne sais pas. Vous m'aviez dit que les Lordo étaient de vos amis. Mais ils le sont. Oh, voyons, ils vous traitent comme un employé. Et encore. Je ne vous avais pas caché que je travaille pour eux. Oui, et à vous entendre, je n'avais pas imaginé que c'était de cette façon-là. Et puis, il y a autre chose qui me chiffonne. Et quoi encore? Lorsque nous nous sommes rencontrés pour la première fois, vous êtes arrivé juste au moment où je constatais que ma voiture ne voulait plus démarrer. Et vous n'allez pas me reprocher de vous avoir aidé tout de même, hein? Dites plutôt que vous avez eu de la chance que je me trouve là. C'est vrai, car c'est un endroit où il ne passe jamais personne. Dans ce jardin. Fred, venez par ici, je suis perdue. Il fait si sombre. C'est vous, Fred? Mais pourquoi ne dites-vous rien? Il y a quelqu'un? Qui est là? C'est vous, monsieur Lordo? Répondez-moi! Fred! Fred! Evelyne! Evelyne, qu'y a-t-il? Répondez-moi. Je suis là. Vous êtes blessée? Non. Et qu'est-ce qui s'est passé exactement? J'ai entendu des pas tout près, puis on a tiré. J'ai eu peur. Mais pourquoi aurait-on voulu vous tuer? Je suis persuadée que l'on ne voulait pas me tuer. Mais enfin, je ne comprends plus. C'est pourtant simple. Quand vous êtes revenue à l'instant... Oui. Comment m'avez-vous retrouvée? Ben, le bruit. Et puis surtout, j'ai vu votre robe blanche. Exactement. Or, celui qui a tiré était encore plus près de moi. Il lui était donc impossible de me rater. Et s'il ne vous a pas visé, qu'est-ce qu'il voulait? Mais me faire peur, sans doute. Je me demande pourquoi. Si nous rentrions... Tenez, j'ai rapporté votre écharpe. Mettez-la. Merci. Vous avez l'intention d'en parler aux autres? Évidemment. Et à la police? Il me semble que c'est nécessaire. Vous entendez? Ça recommence. Ne vous inquiétez pas, cette fois-ci, nous sommes deux. Qui est là? Christian. Tu entends que tu es là? Ah non,
Je sors de ma chambre. Ah, c'est curieux. Evelyne croyait avoir reconnu ton pas il y a quelques minutes. Evelyne, je suis très heureuse que nous soyons seules toutes les deux. J'ai des choses un peu délicates à vous dire. De quoi s'agit-il, madame? Ne croyez-vous pas qu'une personne comme vous a intérêt à éviter le scandale? Que voulez-vous dire? Vous m'avez bien comprise. Absolument pas. Je n'aimerais pas aborder certains sujets que vous connaissez mieux que moi et qui vous seraient désagréables. Excusez-moi, madame, mais je ne comprends toujours pas. Eh bien, vous devez bien penser qu'avant de vous recevoir chez moi, je me suis renseignée. Vous voyez maintenant ce que je veux dire. Mais toujours pas. Oh, allons, allons. Il y a eu des indélicatesses commises dans le magasin où vous travaillez, et la coupable n'a jamais été découverte. Oh. Or, combien êtes-vous d'employés? 4, mais... Il y a donc une chance sur 4 pour que ce soit vous. Le gérant a eu des soupçons sur une de mes collègues. Elle a compris et a donné sa démission. Depuis, rien ne s'est passé. Ça n'est pas une preuve. Dans ces conditions, je ne comprends pas pourquoi vous m'avez invitée. Disons le bénéfice du doute. Mais je ne voudrais pas que votre présence ici soit une source de complications. À peine arrivée, vous faites des histoires, vous parlez d'appeler la police. C'est un peu fort. Alors le mieux est que je rentre chez moi. Vous ferez ce que vous voudrez. Mais si vous décidez de nous quitter, nous trouverons une explication. Une personne de votre famille pourrait être malade, que sais-je. Ah non, je n'ai rien à cacher. Si je pars, je dirai la raison. Mais vous m'avez mal comprise. Je ne tiens pas du tout à ce que vous nous quittiez. Nous sommes ravis de vous avoir ici. Non, c'est cette histoire de coup de feu qui m'a un peu énervée. Quoi qu'il en soit, je préfère partir. Non, non, je ne veux pas. Je vous demande de rester. Et je vous prie de m'excuser. Tout cela restera entre nous, je vous le jure. Vous restez, n'est-ce pas? Au moins jusqu'à demain matin. J'ai besoin de réfléchir. Je vous remercie. Voulez-vous prendre quelque chose? Non, merci. Si, 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 j'y tiens. Je reviens tout de suite. Je viens de croiser ma sœur. Elle a l'air furieuse. Nerveuse, dirons-nous. Cela n'a rien d'étonnant. Des week-ends comme celui-ci ne doivent pas lui faire particulièrement plaisir. Pourquoi? C'était pas à vous de poser cette question. Mais que voulez-vous dire? Alors, vous avez très bien compris. Non. Et votre simple présence. Je ne suis que l'invité de Fred, je le sais bien. Ici, Fred n'est rien. C'est Lordo qui commande. Si vous êtes avec nous, c'est parce que Lordo le veut. Je dis bien Lordo et pas Fred. Ce n'est pas possible. Si. Mon beau-frère recherche la présence de jolies filles sans argent. Il les éblouit et puis ça marche généralement. Vous êtes dégoûtant. Ah non, non, lui, pas moi. Jamais Fred n'accepterait une chose pareille. Fred a très bien pu parler à Lordo de votre rencontre. Le vieux est allé vous voir au magasin et ensuite il a poussé Fred à vous inviter. Ce n'est pas vrai. Si. Et vous comprenez pourquoi ma sœur n'est pas satisfaite de votre présence. Elle tient à conserver son mari, c'est normal. Qu'est-ce que je vais faire? Ah, cela dépend. Et si vous avez du goût pour Lordo... Oh. Ne vous intéresse pas? Alors dans ces conditions, je ne comprends pas pourquoi vous prolongez une situation embarrassante. Il est toujours facile de trouver un prétexte pour s'éloigner. Ce que je vous conseille. Vous aussi? Comment? Rien. Je crois que je vais rester quand même. Au moins jusqu'à demain. Personnellement, je suis ravi de votre décision. Mais je pense à ma sœur. Voici Lordo qui vient faire sa cour. Je vous en prie. Vous cherchez, mademoiselle Claudet. Allez, ma femme vous a préparé un punch et je vous l'apporte. Je vous remercie, monsieur. Mon cher Christian, votre sœur vous demande. Je vous laisse tous les deux. Merci. Amusez-vous bien. Tenez, asseyez-vous près de moi. Sur ce canapé, là. Nous serons mieux pour bavarder. Je suis très bien là, merci. Allez, parlez-moi de vous, de votre vie. Hein? Votre métier vous plaît? Oui, oui, j'adore la musique, alors. Ah, vous avez de la chance. Moi, ça m'a toujours énervé. Et vous gagnez bien votre vie? Mais... Ah non, excusez-moi de vous avoir posé cette question, Evelyne. Permettez que je vous appelle Evelyne. Non, je ne voulais pas être indiscret, je vais demander cela par... Par amitié, quoi. Disons que je vis correctement. C'est une réponse raisonnable.
Non, mais je suis sûr que vous êtes comme tous les jeunes. Vous avez des besoins d'argent. Oui, mais non, je vous assure. Ne serait-ce que pour vous acheter des robes, quoi. Vous n'avez pas assez de votre éternel tailleur marron. Mais comment le connaissez-vous? Je ne le mets qu'au magasin. Oh non, mais je vous ai vu. Je vous ai vu dans votre boutique. Oui. Je regardais l'aventure. Je vous ai aperçu. Ah, mais alors, si vous regardez les disques en vitrine, c'est que vous vous intéressez plus à la musique que vous ne le dites. J'essaie d'oublier un peu mes ennuis. Je croyais... Ah oui, oui, je gagne beaucoup d'argent. Oui. Mais vous n'imaginez pas ce qu'est ma vie privée. Personne ne me comprend. Ne croyez-vous pas que vous exagérez un peu? Votre femme... Oh non, oh non. Ne me parlez pas d'elle, il y a des sujets plus agréables. Et vous, par exemple? Vous êtes fiancée? Non, pas encore. C'est vrai que vous voulez voyager avant de vous marier? Vous allez en Grèce l'été prochain, n'est-ce pas? Mais comment le savez-vous? Fred me l'a dit. Je ne le savais pas si bavard. Mais il ne l'est pas. C'est moi qui l'ai interrogé. Bon, enfin, pour en revenir à votre voyage, il y a des endroits à ne pas manquer, voyez-vous, et j'aimerais pouvoir vous servir de guide. Je crois que je vais aller retrouver les autres. Déjà? Excusez-moi, je suis un peu énervée. Mais pourquoi donc? Vous n'êtes pas au courant? Non. Après le dîner, je me suis promenée dans le parc. Un coup de feu est parti tout près de moi. Elle a fait ça. Il faut prévenir la police, oui. Non, non, je vous en prie. Votre femme semblait déjà si contrariée. Comment elle est au courant et elle n'a pas téléphoné au commissariat? Non, elle n'a pas jugé bon de le faire. Et autrement dit, elle a refusé. Bonsoir. Si vous pouviez nous présenter. Non, mais oui, bien sûr. Gisèle Blanchard, une cousine. Evelyne Claudet, notre invitée. Bonsoir, mademoiselle. Bonsoir. Ah, à propos, votre femme voudrait vous voir. Oui, ça tombe bien. Moi aussi, j'ai lui parlé. Alors, on a tiré sur vous? Mais comment le savez-vous? J'ai entendu la fin de votre conversation. Ah, il faut que Lourdeau soit bien mordu pour que sa femme prenne le risque de pouvoir... Ce n'est pas elle. Ce n'est pas possible. Vous avez bien vu la réaction de son mari. Mais au fait, qui vous a invité, Christian? Non, Fred. Ah, et vous avez accepté parce que vous tenez à lui? C'est-à-dire, je ne sais plus maintenant. Oh, il faut que je lui parle. Il est à côté, je crois. Oui, oui. J'y vais. Vous revenez ensuite? Oui. Alors je vous attends. Fred. Fred. Qu'y a-t-il, Evelyne? Je n'en peux plus. Pourquoi donc? Parce que vous êtes moqué de moi. Je ne me suis jamais moqué de vous, je vous le jure. Vous saviez très bien que Lourdeau voulait que je vienne ici. Enfin, c'est-à-dire que... Je suis si déçue. J'imaginais que vous et moi... Parce que l'on peut être bête. Non, non, Evelyne, ne regrettez rien. Je ne vous l'ai jamais dit, mais je tiens à vous, plus qu'à n'importe qui. Alors expliquez-moi. Je ne peux pas. Vous comprenez, je ne peux pas. Mais comment voulez-vous que j'aie confiance en vous? Et il le faut. Oh, je dérange des amoureux, si je comprends bien. Oh, ça suffit. Si le vieux voit cela, il va être furieux. Christian, arrête de dire des bêtises. Ne te fâche pas. Tu sais bien que j'ai raison. Que s'est-il passé, Evelyne? Vous êtes toute pâle. Rien, Gisèle. Tenez. Tenez, buvez votre punch. Cela va vous faire du bien. Non, merci. Vous connaissez bien Fred? Oui. C'est un faible qui porte une admiration sans borne à Lourdeau. Qui a une admiration sans borne pour moi? Votre âme damnée, Fred. Il faut reconnaître qu'il m'est dévoué. Gisèle, voulez-vous nous laisser? Alors, bonsoir. Bonsoir. Mais... Je suis heureux que nous soyons seuls, ma petite Evelyne. Vous êtes charmante. Et je crois que nous allons très, très bien nous entendre. Mmh.
êtes monsieur ? Lambert, monsieur le commissaire, Frédéric Lambert. En fait, on m'appelle Fred. Vous êtes de la famille ? Non. Non, je m'occupe des affaires de monsieur Lordeau. C'est vous qui avez découvert le corps, je crois ? Oui. Oui, comme tous les matins, je suis allé dans la bibliothèque pour préparer mon travail. Et en entrant, j'ai trouvé monsieur Lordeau allongé par terre. Il était... Oui, je sais. Qui vit dans cette maison ? Sa femme, le frère de celle-ci, Christian Dulon, une cousine, Gisèle Blanchard, et une invitée, Evelyne Claudet. Des domestiques ? Un valet de chambre et sa femme, qui est cuisinière. Ils couchent dans le petit pavillon à côté. Et croyez-vous capable de tuer leur patron ? Moi, jamais de la vie. Et pourquoi, d'ailleurs ? Ils auraient tout à y perdre. Alors qui, d'après vous ? Je ne sais pas. Un rôdeur ? Impossible. Toutes les portes sont bien verrouillées et les murs du jardin assez hauts. Mais dans tous les cas, il y a deux personnes que vous pouvez éliminer de la liste des suspects. Qui cela ? Moi. Tiens. Oui. La mort de M. Lordeau va sans doute me faire perdre ma situation. Et l'autre personne ? Evelyne Claudet. Pourquoi cela ? C'est une histoire un peu compliquée. Voici. M. Lordeau avait mené une vie agitée, ce n'est un secret pour personne. Il a eu une fille dont il ne s'est pas soucié. Il y a quelque temps, il a appris que sa nouvelle femme ne pourrait pas avoir d'enfant, alors il a eu l'idée de faire rechercher sa fille. Et c'est Evelyne Claudet ? Oui. Mais avant de lui en parler, il voulait en savoir un peu plus sur elle. Alors je me suis arrangé pour la rencontrer et sortir plusieurs fois avec elle. Je peux vous assurer que c'est une fille très bien. Monsieur Lordeau lui a donc dit la vérité et l'a invitée pour le week-end. Non, pas du tout. Il voulait d'abord la voir, la juger. Mlle Claudel n'est donc pas au courant ? Ah, maintenant, si. Enfin, je crois. Evelyne avait senti qu'il se passait quelque chose. Aussi, j'avais demandé à M. Lordeau qu'il n'attende pas la fin du week-end et qu'il lui parle dès hier soir. Et l'a-t-il fait ? Enfin, il me l'avait promis, en tout cas. Il a pu changer d'avis. Quelle heure était-il quand la victime a eu cette conversation avec Mlle Claudet ? Oh, probablement tard, mais je ne crois pas après minuit. Et où étaient les autres ? Et Mme Lordeau était allée se coucher. Et Christian aussi. Et vous ? Et quand j'ai vu que M. Lordeau allait parler à Evelyne, je me suis retiré. Bon. Il reste encore cette cousine dont vous m'avez parlé. Ah, Gisèle est montée en même temps que moi. Donc, c'est Mlle Claudet qui a dû être la dernière à voir M. Lordeau vivant. Est-ce que vous pouvez l'appeler ? Oui. Evelyne, venez, s'il vous plaît. Qu'y a-t-il, Fred ? Je vous présente le commissaire Terran, Mlle Claudet. Commissaire ? Je vous laisse. Asseyez-vous, mademoiselle. Merci. Vous savez sans doute que M. Lordeau a été assassiné. Je l'ignorais. Je savais seulement qu'il était mort. Et d'après les premières constatations, il semble que le décès remonte au milieu de la nuit. À quelle heure l'avez-vous quitté ? Je n'en ai pas la moindre idée. J'étais trop énervée. Et pour quelle raison ? Cela n'a aucune importance. Ah, si, j'insiste. Il s'agit d'un mort et je trouve gênant d'en dire du mal. Comment ? Mais oui, j'étais dans la bibliothèque quand M. Lordeau est venu me rejoindre. Il m'a dit que j'allais être heureuse, que grâce à lui, j'allais toucher beaucoup d'argent. Je n'ai pas voulu en entendre davantage et je suis partie en claquant la porte. En somme, vous avez perdu votre sang-froid. Je le reconnais. Et dans ce mouvement de colère, vous étiez capable de tuer M. Lordeau. Je ne l'ai pas fait, mais je reconnais qu'il le méritait. Êtes-vous bien sûr de ne pas vous être trompé sur les intentions de M. Lordeau ? Pas du tout. Du reste, il n'y avait qu'à voir l'attitude de sa femme à mon égard. Elle pouvait avoir d'autres raisons de vous en vouloir. Je ne la connaissais même pas avant de venir ici. Et puis, Christian, c'est le frère de Mme Lordeau, m'avait mise en garde. Tiens. Oui, il m'avait même conseillé de partir, pour éviter des scènes désagréables. Mlle Claudet, je crois qu'il y a un grave malentendu. Allez trouver M. Lambert, il vous expliquera tout beaucoup mieux que moi. Madame Lordeau, le commissaire Terran. Oh, commissaire, c'est effroyable. Mon mari et moi, nous étions si unis. Je vous présente mes condoléances, madame.
Nous avions fait un véritable mariage d'amour. J'ai besoin de votre aide pour démasquer l'assassin. Mais d'abord quelques questions de simple routine. Quel âge avait votre mari ? 62 ans. Et vous ? Je vais en avoir 29. Malgré cette différence d'âge, notre mariage était une réussite. Tiens, tiens. On m'a pourtant affirmé que parfois, vous vous étiez plainte de lui. Oh, c'est-à-dire pour des bêtises. Enfin, je savais fermer les yeux. Comment était le caractère de votre mari ? Enfin, je veux dire, difficile. Il était si séduisant. Et riche aussi. On le dit. Vous n'avez pas d'enfant, madame ? Non, hélas, non. Il paraît que c'est impossible. Mais qui vous a renseigné ? Peu importe. C'est quand il l'a su que M. Lordeau a décidé de rechercher la fille qu'il avait eue autrefois, n'est-ce pas ? Oui, oui, je l'y ai poussée. Je me réjouissais tant de dorloter cette petite. Qui a presque votre âge, ne l'oubliez pas. Oui, mais quoi qu'il en soit, s'il n'y avait pas eu cette Evelyne, mon mari serait toujours en vie. Ça, je veux bien le croire. Mais nous ne l'entendons peut-être pas de la même manière. Quelle est votre opinion ? Oh, mais commissaire, c'est très simple. Mon mari avait fait un legs en faveur d'Evelyne Claudet. Legs qui aurait été augmenté s'il avait eu le temps de la reconnaître. Mais non. Enfin, oui, peut-être. Ensuite ? Ce legs, il avait en définitive l'intention de l'annuler. Cela ne me paraît pas très plausible. Dans ces conditions, pourquoi M. Lordeau aurait-il fait venir sa fille chez lui ? Quand nous l'avons invité, il ne connaissait pas la vérité. Mais la vérité sur quoi ? Evelyne avait été impliquée dans une affaire de vol. Une histoire sordide qui s'était passée dans le magasin où elle travaille. En a-t-il parlé à Mademoiselle Claudet ? Bien entendu. Il espérait que ça lui servirait de leçon. C'est pour ne pas tout perdre qu'elle l'a tuée. Mais si M. Lordeau avait reconnu sa fille, c'est vous qui auriez perdu davantage. Je ne pense jamais à ces choses-là. Oui. Quand avez-vous connu votre mari ? Il y a 3 ans. Et dans quelles circonstances ? À Paris. Oui, c'est vague. Chez des amis, je crois. Qui ? Mais je ne sais plus exactement. Et comment peut-on oublier cela ? De toute façon, nous ferons des recherches. Oui, c'était... Oui, je m'en souviens, c'était dans un magasin. Quel genre de magasin ? Une chemiserie. Et qui faisiez-vous ? J'aidais un peu les patrons. De quelle façon ? Je remplaçais leur vendeuse qui était partie brusquement, ça les dépannait. Vous y êtes resté longtemps ? Un peu plus de 6 mois. Peut-être 1 an. Je vois. Mais je n'avais pas besoin de ça pour vivre. Admettons. Je vous remercie, Madame Lordeau. Voulez-vous demander à Mademoiselle Claudet de venir, s'il vous plaît ? Mais commissaire, je ne veux pas parler à cette fille. Comme vous voulez. Mademoiselle Claudet, s'il vous plaît. Je vous laisse, commissaire. Fred m'a dit la vérité. Je suis bouleversée. En somme, on a tué mon père parce qu'il voulait s'occuper de moi. Maintenant, je comprends pourquoi on a tiré sur moi la nuit dernière. Vous connaissez cette arme ? Non. Pourtant, on l'a trouvée dans votre chambre. Cela se peut. Je n'ai pas ouvert tous les tiroirs. Mais elle était dans votre valise. Ce n'est pas possible. Quelqu'un l'y a caché. On verra. Vous connaissez M. Lambert depuis longtemps ? Non. Pourtant, vous l'avez suivi en week-end. Et qui plus est, chez des gens que vous n'aviez jamais rencontrés. J'avais confiance en lui. Et maintenant ? Oh, plus du tout. Je croyais qu'il avait plaisir à me voir et je n'imaginais pas qu'il était en service commandé auprès de moi. Lui, que dit-il ? Cela n'a aucune importance, je ne le crois plus. Bien. Je vous remercie, Mademoiselle Claudet. Voulez-vous sortir par cette porte, s'il vous plaît ? Bien. Monsieur Lambert ? Monsieur. Asseyez-vous, je vous en prie. Oui. Je viens de voir Mademoiselle Claudet, mais elle m'a paru très découragée. Oui, oui, tous ces événements l'ont... Enfin... Puis il y a aussi de ma faute. J'aurais dû la prévenir plus tôt. Vous tenez à elle ? Un homme a toujours l'air ridicule quand il parle de cela, mais c'est vrai, je tiens à elle. Au point de l'épouser ? Oh, bien sûr, si elle voulait. Mais oui, tout s'arrangera, vous verrez.
Beaucoup plus facilement que si M. Lordeau était toujours vivant. Vous croyez ? Non, parce que l'on m'a raconté sur lui, il n'aurait pas accepté que sa fille épouse son secrétaire, n'est-ce pas ? Oui, c'est vrai. Et puis, Evelyne Claudel elle-même aurait pu changer. Avoir tant d'argent, ça peut tourner la tête d'une jeune fille. Oh, pas elle, non. Vous y aviez quand même bien pensé. Bien sûr, on ne sait jamais comment les gens vont réagir. C'est ce que je me dis en vous regardant, Monsieur Lambert. Quoi ? Sur les instructions de votre patron, vous faites connaissance d'Evelyne Claudet. Puis vous tombez amoureux d'elle. Et vous désirez l'épouser. Alors vous savez que M. Lordeau s'y opposera. Mais où voulez-vous en venir ? Vous m'avez très bien compris. Pour conserver Evelyne, c'est vous qui avez supprimé M. Lordeau. C'est plausible, non ? Qu'en pensez-vous, M. Lambert ? Ma petite sœur a l'air bien nerveuse. Oh, Christian, je t'en prie, tais-toi. Tout va s'arranger, tu vas voir. Peut-être. Mais l'enquête continue. Le commissaire ne peut pas arrêter Evelyne sans preuve. Mais justement, je crains qu'il n'en trouve pas. Il en trouvera. Je pense même qu'à l'heure actuelle, il en a trouvé. Qu'est-ce que tu as encore fait ? Le revolver. Celui dont tu t'es servi dans le parc ? Oui. Je l'ai caché dans la valise d'Evelyne. Mais ça n'a rien à voir avec la mort de mon mari. On n'en demande pas trop. Et si elle est accusée, le legs sera annulé ? Je crois. Mais je ne peux pas aller consulter un avocat pour en avoir le cœur net. Tu sais que c'est une somme importante. Oh, oui. Mais cela aurait été pire s'il l'avait reconnue officiellement comme sa fille. Heureusement, tout s'est bien passé. Tu vas pouvoir l'acheter, ton agence immobilière. Depuis le temps que j'en ai envie. J'en pouvais plus de cette vie-là. Avant tout, il va falloir envoyer Fred. Pas tout de suite. Il connaît bien les affaires de ton mari. Il m'aidera à les régler. Il nous aidera. Et Gisèle ? On ne peut pas s'en séparer, non ? Attends un peu. De toute manière, je suis sûr qu'avec elle, il n'y aura aucune difficulté. Pourquoi ? Parce qu'elle suivra Fred partout où il ira. Il n'y a qu'à voir la manière dont elle le regarde. Entrez. Je voudrais vous parler à tous les deux. Mais c'est insensé. Vous allez m'écouter. Mais laisse-la parler. Depuis mon arrivée ici, vous vous êtes moqué de moi. Mais vous avez dépassé les bornes en cachant un revolver dans ma valise. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? La vérité. Mais cela m'a servi, car sur l'arme, il y avait vos empreintes. Christian, tu as... C'est tout ce que je voulais savoir. Je vous laisse. Imbécile. Oh, pardonne-moi. J'espère que cela te servira de leçon, que tu ne recommenceras pas à parler à tort et à travers. Oh, je te le jure. Et en tout cas, cette petite commence à devenir dangereuse. Ouais. Elle commence à en savoir un peu trop long. Alors, c'est mon tour. Mais oui, je vais vous interroger comme tout le monde. Votre nom ? Gisèle Blanchard, 24 ans, toujours étudiante. Où étiez-vous hier soir ? Dans un bar où l'on peut danser. Nous étions 6. Je vous donnerai les adresses. C'est parfait, je vous remercie. Et vers 21h30, vous étiez toujours avec vos amis ? Oui, pourquoi ? C'est l'heure où l'on a tiré sur Evelyne ? Vous ne vous êtes pas absenté à ce moment-là ? Non. Non, je n'ai pas bougé. De toute manière, j'étais à 8 km d'ici et comme je n'ai pas de voiture... Je sais, je sais. À votre avis, qui a tué M. Lordeau ? Ce n'est pas difficile à imaginer. C'est-à-dire ? Chercher à qui le crime profite. La belle Madame Lordeau, par exemple. Elle s'ennuie ici et veut retourner à Paris. Pour cela, il faut de l'argent. Alors tirez la conclusion vous-même. Que pensez-vous d'Evelyne Claudet ? C'est une fille intelligente, mais pleine de scrupules, tourmentée. Et Fred Lambert ? Oh, un garçon très bien. Et croyez-moi, je ne dis pas cela souvent. Et malheureusement, il se laisse exploiter par Lordeau. Allô ? C'est Rann à l'appareil. Ah bon, c'est vous ? Le rapport du laboratoire ? Bon, lisez-le-moi. Oui ? Intéressant, cela. Au revoir, merci.
Eh bien, au moins, nous savons maintenant quelques petites choses. Nous savons de quoi est mort Lordo. L'analyse a révélé la nature du poison. C'est un toxique très violent, aux effets pratiquement instantanés. La mort peut être fixée assez précisément vers minuit. Qui a vu Lordo à cette heure-là? Evelyne Claudet? Non. À qui se fier, monsieur le commissaire? À personne, mademoiselle. Evelyne ? Quoi ? Je vous ai fait peur. Non, pas du tout, monsieur Lulot. Que faites-vous ici ? On n'a pas le droit de monter sur la terrasse ? Si, bien sûr. La vue est magnifique. Je ne suis pas venue pour ça. J'avais besoin d'être seule. Aussi, je vais redescendre. Non, restez. Écoutez-moi, monsieur Dulon. Je vous demande de me laisser. Pas question. Il y a un assassin dans la maison et je ne vous quitterai pas. Je m'en vais. Cela sera difficile sans mon autorisation. Je vais fermer la porte à clé. Ouvrez-la. Tout à l'heure, quand nous aurons bavardé un petit peu. Je n'y tiens pas. Vous n'êtes guère prudente. Pourquoi ? Tenez, penchez-vous un peu. Et regardez, la cour est dallée. Et alors ? Une chute serait mortelle. Oh, j'appellerai, je me défendrai. Avant que l'on arrive, vous seriez déjà tombé et l'assassin, lui, se serait enfui. Il serait vite pris. Ne croyez pas cela. Officiellement, ce serait un suicide. Evelyne Claudet a tué M. Lordo, puis ensuite, apprenant qu'il s'agissait de son père, elle a été désespérée et a mis fin à ses jours. Oui, mais le point faible, c'est que je n'ai tué personne. Ne me touchez pas ! C'est que... Lâchez-moi ! Non, non. Non, car nous avons encore à parler ensemble. À propos du legs que Lordo vous a consenti. Nous y voilà. Vous savez ce que vous devriez faire? Non. Quoi? Y renoncer. Je suis sûr que vos ennuis seraient terminés. N'y comptez pas. Alors, à votre place, j'aurais peur. Je ne céderai quand même pas. Comme vous voulez. Moi, j'essaie d'arranger les choses, mais si vous n'êtes pas raisonnable... Tant que je n'ai pas signé, je suis en sécurité. Je ne comprends pas ce que vous voulez dire. Si je mourais maintenant, tout ce que je possède, y compris le legs, irait à mes héritiers. C'est la loi. À moins que la police ne voie dans ce suicide, car ce serait un suicide, la preuve de votre culpabilité. Dans ce cas, le legs serait annulé. Un assassin ou ses héritiers ne peuvent pas profiter de l'argent de la victime. Oh, comme vous êtes pâle. Ah, ah, attention, ne vous penchez pas, vous allez tomber. Si vous voulez entrer, monsieur Dulon. Monsieur le commissaire. Où étiez-vous donc? Je vous ai cherché partout. J'étais dans le jardin, allongé au soleil, et je me suis endormi. En tout cas, vous ferez des compliments à votre tailleur. Le tissu de votre costume n'est même pas froissé. Je viens de me changer. Vous avez 27 ans, je crois. Oui. Que faites-vous dans la vie? J'aidais mon beau-frère. En quoi? Dans ses affaires. Je me suis renseigné, je n'ai jamais entendu parler de ça. Le secrétaire de M. Lordo lui-même m'a affirmé que vous ne faisiez rien. Fred n'était pas au courant. Allons, parlez franchement. Je vous écoute. C'est-à-dire que j'aidais Lordo indirectement. Comment ça? Je donnais des tuyaux à ma sœur qui les... Ah oui, c'est très indirect, effectivement. Et de quoi vivez-vous? Ma sœur... Encore? J'avais entendu dire que vous vous occupiez d'affaires immobilières. Oui, aussi. On dit que vous êtes en pourparlers pour racheter un portefeuille d'agence. N'exagérons pas, je m'étais renseigné, c'est tout. Et avec quel argent l'auriez-vous payé? Mais ma sœur était très intéressée par cette affaire. Soyons sérieux. Madame Lordo n'a rien à elle. C'est vrai. Et vous croyez que son mari, qui s'y connaissait en affaires, se serait risqué à acheter une agence dont la réputation n'est pas excellente? C'est vous qui le dites. Vous le savez bien. Enfin... Alors dites-moi comment votre sœur et vous-même comptiez trouver la somme nécessaire. Vous ne répondez pas. Moi, je vais vous le dire.
Vous attendiez l'héritage de Lordo. Donc vous saviez qu'il allait mourir. C'est faux. Je vous jure que c'est faux. Jouez toujours. Moi, je ne connais que les preuves. Écoutez, monsieur le commissaire. Nous n'avions pas intérêt à ce que Lordo meure maintenant, avant d'avoir annulé son legs à Evelyne Claudet. Vous saviez très bien que si les premiers contacts entre monsieur Lordo et sa fille étaient bons, cette dernière s'est encore plus avantagée. Justement. Or, ces contacts ont été excellents. En admettant que tout ce que vous dites soit vrai, vous n'avez aucune preuve contre ma sœur ou contre moi. Et pour cause. Mais si. J'ai une preuve. Quoi? Lorsqu'Evelyne Claudet et Fred Lambert sont allés se promener dans le parc, une seule personne a pu tirer le coup de revolver. Vous. Je voudrais bien savoir pourquoi. À ce moment-là, Gisèle Blanchard était à quelques kilomètres. Je l'élimine donc. Votre sœur faisait des rangements avec les domestiques. J'ai leur témoignage. Monsieur Lordo, lui, téléphonait à un de ses amis. Il ne reste que vous. Pourquoi pas Fred Lambert? Il est amoureux d'Evelyne Claudet, ça se voit assez. De plus, l'homme qui a tiré s'est enfui derrière Mademoiselle Claudet. Or, lui est apparu au même moment devant elle. On ne voyait rien, il faisait nuit. Oui, mais on entend. Mademoiselle Claudet est formelle en ce qui concerne le bruit des pas. Mais vous plaisantez, monsieur le commissaire. Vous savez bien que le revolver a été retrouvé dans la valise d'Evelyne et que c'est elle qui a tiré. On a recherché l'origine de cette arme. Ah! Ne soyez pas si sûr de vous. On a retrouvé un de ses anciens propriétaires. Vous savez qui c'est, je pense. Puisque c'est un de vos amis. N'auriez pas, c'est indiscutable, c'est infaillible. C'est infaillible, vous savez, l'identification d'une arme par son numéro. Bon, d'accord. Mais ça ne veut rien dire. Ah non, vous feriez mieux d'avouer. Et puis après tout, ce n'est pas bien méchant. Qu'est-ce qu'il vous faut? De la bonne guerre, quoi. Evelyne Claudet, sans se donner de mal, allait s'emparer de la plus grosse partie de la fortune. Alors, je me suis dit que si elle partait brusquement, il serait facile de faire croire à Lordo qu'elle avait quelque chose à se reprocher. Et cela n'ayant pas marché, il ne vous restait qu'à commettre un meurtre. Ah, c'est faux. Ce n'est pas moi. Ah, si ce n'est pas vous, il n'y a qu'une autre solution. Qui est coupable? Madame Lordo? C'est ma sœur. Je ne dirai rien contre elle. Entrez. C'est moi. Vous voyez? Votre frère n'a pas réussi à m'impressionner. Comment osez-vous? Je voudrais vous parler. Non. Vous préférez que j'appelle le commissaire? Je n'ai rien à me reprocher. Bien. Alors, dites-moi ce que vous avez fait le soir du meurtre, après notre dispute. Si ça peut vous faire plaisir, je suis retournée dans le living room. Et là? Rien. J'ai écouté la radio. Ah non? Vous oubliez le principal. Vous avez préparé les boissons. Peut-être, et alors? Votre mari est entré. Vous lui avez tendu un verre en lui disant de me l'apporter, ce qu'il a fait. Vous n'allez tout de même pas... Écoutez-moi, je viens d'apprendre que mon père était mort vers minuit et qu'il avait été empoisonné. Mais c'est vous qui étiez avec lui à ce moment-là. Effectivement. Il était assis sur le divan, à portée de sa main, sur la petite table, mon verre, que je n'avais pas entamé. Tout le monde était déjà monté se coucher, et à mon tour, j'ai regagné ma chambre. Mais je n'ai pas réussi à m'endormir. Donc si quelqu'un était redescendu, je l'aurais entendu, puisque ma chambre est juste à côté de l'escalier. Vous venez de prouver vous-même que vous étiez la dernière personne à avoir vu mon mari vivant. Mais il n'y a aucun doute possible. Il est mort parce qu'il a bu le verre qui m'était destiné et que vous aviez préparé, Madame Lordo. Vous ne dites rien? Je sais que je suis innocente. Ne vous entêtez pas. Écoutez-moi, Evelyne. Je crois que j'ai deviné. Quand je préparais les verres, Christian est entré. Oui, je me rappelle fort bien avoir cherché un plateau dans le buffet. Pendant quelques secondes, j'ai donc tourné la tête. En somme, vous accusez votre frère. C'est affreux d'être obligé de le faire, mais je crois que c'est lui. Il y a autre chose, Madame Lordo, qui me fait croire à votre culpabilité et non à celle de votre frère. Vous aviez préparé plusieurs verres, n'est-ce pas? Et c'est vous qui en avez tendu un à votre mari. Oui. Or, le seul moment où votre frère a eu la possibilité de verser le poison se situait, d'après vous, bien avant cet instant. Et comment aurait-il pu savoir quel verre m'était destiné? Mais quand Christian est entré, je n'avais pas terminé. Il m'a dit pour Evelyne, mets-moi d'alcool, elle n'aime pas ça. C'est pourquoi votre verre était à part. Enfin, vous me croyez maintenant. Vous dites
Peut-être la vérité. Peut-être. Que comptez-vous faire? Il n'y a pas d'hésitation, il me semble. Voir le commissaire. Non. Non, ne faites pas ça. Christian a agi dans un moment de folie, j'en suis sûre. Non, évitez le scandale. Ça retomberait sur lui, bien sûr, mais... et aussi sur la mémoire de votre père. Quoi? Oui, c'est délicat à dire, mais... mon mari n'était pas parfait. Christian sait pas mal de choses sur son compte. S'il y a un procès, il racontera tout. Mais il y a eu un meurtre. Et vous serez plus avancé quand tout le monde vous montrera du doigt. Oh, ça m'est bien égal. Bon, écoutez-moi, écoutez-moi, Evelyne. Nous pourrions peut-être... comment dirais-je, nous arranger. Que voulez-vous dire? Je voudrais faire pour vous ce que mon mari avait souhaité. C'est-à-dire qu'en plus de votre legs, je vous verserai beaucoup d'argent pour que vous soyez heureuse. Mais il faudrait que tout se passe bien. Je ferai ce que je dois faire. Non, surtout pas de gestes précipités, Evelyne. Vous le regretteriez. Réfléchissez encore. Tenez, buvons quelque chose. Nous allons réexaminer le problème toutes les deux. Et ensuite, vous ferez ce que vous voudrez. Je vous prépare un whisky? Je préférerais me le verser moi-même. Expérience, que voulez-vous? Evelyne, où courez-vous? Oh, c'est vous, Gisèle. Je cherche le commissaire, vous ne l'avez pas vu? Pourquoi? Je sais qui a tué. Quoi? Oui, c'est Madame Lordeau. Elle vient d'essayer d'acheter mon silence et je suis sûre qu'elle avouera après l'interrogatoire. Ah, parce qu'elle n'a pas encore avoué. Non, et il y a un point que je ne comprends pas. Je me demande quand elle a pu mettre le poison. Mais voyons, en préparant votre punch. Vous devez avoir raison. Ah, excusez-moi, mais il faut que je trouve le commissaire. Je viens de le voir à l'instant. Il prenait la voiture. Je vais l'attendre. Asseyez-vous. Volontiers. Qu'est-ce que vous allez faire si... si Madame Lordeau est arrêtée? Oui. Ce que j'aurais fait même sans cela. Oui, vous comprenez bien qu'elle ne m'aurait pas gardée ici. Je vais bien le croire. J'aimerais terminer mes études, mais il faudrait également que je travaille. Si je peux vous aider... Non, non, jamais. Oh, mais voyons, ne vous fâchez pas. Je disais ça pour vous rendre service. Excusez-moi, je suis un peu nerveuse. Mais après tout, nous sommes cousines maintenant. Mais je n'y avais pas pensé. Veuillez entrer, messieurs, dames. Asseyez-vous, je vous prie. Et vous, Madame Lordeau, à côté de votre frère. Là. Mademoiselle Blanchard, ici. Et Mademoiselle Claudet, est près de Monsieur Lambert, s'il vous plaît. Voilà. Selon mon habitude, j'ai réuni ici tous les suspects. Oui, tous. Même vous, Monsieur Lambert. Enfin, je veux dire, vous l'avez été, ainsi que Mademoiselle Claudet, jusqu'au moment où j'ai compris que le poison absorbé par Monsieur Lordeau ne lui était pas destiné. C'était donc Mademoiselle Claudet que l'on voulait tuer. Et son père est mort par erreur. Il ne me restait plus alors que trois suspects. Vous voyez, le cercle se referme. Il y a Mademoiselle Blanchard. Mais vous savez très bien que je n'étais pas là quand toute cette histoire a commencé. Je le reconnais volontiers, mademoiselle. Monsieur Dulon, au cours de son dernier interrogatoire, m'a du reste avoué que c'était lui, l'auteur du coup de feu. Mais Christian, tu es fou. Mais moi, je n'ai tué personne. Je ne veux pas d'histoire. Alors, j'ai préféré dire au commissaire que j'avais voulu effrayer Evelyne. Après tout, ce n'est pas bien méchant. Oh, imbécile. Et pourquoi traitez-vous votre frère d'imbécile, madame? Parce qu'il a réussi à me convaincre qu'il n'était pas le coupable? Il n'a pas autant d'énergie que vous. Vous, vous êtes ambitieuse et vous aimez l'argent. C'est vrai, mais tout de même pas. Non. Vous auriez fait n'importe quoi pour éviter qu'une partie de la fortune de votre mari tombe entre les mains de sa fille. Mais c'est faux! De plus, c'est vous qui avez préparé le verre destiné à Evelyne Claudet. Vous voyez, Madame Lordeau, tout était contre vous. Jusqu'au moment où le coupable s'est trahi et que j'ai compris
que ce n'était pas une affaire d'intérêt. Quoi ? Eh oui, mademoiselle. On a voulu vous tuer par jalousie. Mais je ne comprends pas. Bah, pourtant, nous nous trouvons devant l'affaire la plus simple qui soit. Et le coupable, c'est vous. Mademoiselle Gisèle Blanchard. Mais, commissaire... Vous aimez Fred Lambert. Et vous avez longtemps espéré qu'il ne resterait pas insensible à votre charme. Mais un jour, il n'y a plus d'espoir pour vous. Fred Lambert a rencontré Evelyne Claudet. Quand vous rentrez, le soir du meurtre, vous apprenez que l'on a tiré sur votre rival à un moment où vous aviez un alibi. Alors vous pensez que si mademoiselle Claudet meurt, seuls seront suspectés ceux qui ont pu également commettre le premier attentat. Et puis, vous avez une occasion inespérée. Vous restez seul, près du verre destiné à mademoiselle Claudet. Vous ne pouvez rien prouver. Mais vous vous êtes trahi, mademoiselle. Quand ? Vous commencez à être inquiète. Bon, eh bien, alors, je vais vous expliquer. Comme j'avais des soupçons, j'ai demandé à mademoiselle Claudet d'aller bavarder avec vous. Je savais que vous seriez moins sur vos gardes qu'avec moi. Et que vous a-t-elle raconté ? D'abord, vous qui vivez au crochet des Lordeaux sans aucun scrupule, vous avez refusé avec violence l'invitation de mademoiselle Claudet. Si c'est cela que vous appelez une preuve... Non, mais une indication. Ce n'est en tout cas pas suffisant pour m'accuser. Ah, mais ce n'est pas tout. Au cours de votre conversation avec mademoiselle Claudet, vous avez parlé du poison versé par le criminel dans son verre de punch. Comment le saviez-vous ? Comment saviez-vous que son verre à elle était empoisonné, alors que c'est M. Lordeaux qui est mort ? Vous ne répondez pas ?